Hello, hello, hello. Who are you? I fine, thank you. Ça veut plus rien dire. Bonjour à tous et à tous pour la rediffusion live sur YouTube et bonjour à vous Twitch, amis Twitch, Twitcher. Aujourd'hui planning à l'arrache, discussion, on peut faire de tout et de rien, c'est ça qui est bien dans les lives. J'adore les lives. On pourrait parler aujourd'hui de nouveautés aussi. On peut parler de, surtout, là j'ai commencé Dying Light 1 et aujourd'hui sort Dying Light 2. Et le nom, je ne le sais plus. Il est sorti. Humaine, je sais plus trop quoi. Ouais, on est en train de me le dire, je suis sûr. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous en veux pas. Je vous en veux pas. Dying Light, stay humane, too. Voilà. Reste humain. Reste humain. Bon, je le fais pas. Hein. J'ai le 1 en ce moment même en cours de live. Et je me disais, de toute façon, la semaine prochaine, je vais faire des lives, mais sûrement moins que la semaine qui est venue. Donc ça veut dire que sûrement soit au soir, soit au matin, ça peut varier. Donc là, ça sera plus... Je sais pas si je le ferai l'après-midi. Voilà. Salutations à vous. Donc du coup, ouais, la semaine prochaine, donc il y a sûrement pas de live ou il y aura des lives. Ça dépend parce que là c'est les vacances, hein, c'est les vacances. Moi aussi je veux profiter des vacances, ce qui est tout à fait normal. Hein. On prend ses vacances, on a les vacances. Déjà que je travaille toute la semaine, je fais des vidéos, je fais pas mal de petites choses, c'est sympatoche. On va revenir un petit peu sur le mois de janvier. On a fait quand même pas mal de petits trucs, moi je trouve. Kikou, blabla le rap. J'ai fait pas mal de petites choses. Et je vous disais peut-être revenir là-dessus. On avait fait les vidéos. Donc, moi de mon côté, on va revoir un petit peu ce qu'on a fait ce début d'année. Alors, en termes de vidéos, j'ai commencé quand même pas mal de choses. Donc on va revenir il y a quelques temps en arrière, ça veut dire il y a un mois. On va revenir un mois en arrière. Il y a un mois, je commençais Subnautica Below Zero. Donc je vais vous montrer, je me sponsorise moi-même, je vais vous montrer un petit peu. Hop, voilà, on sponsorise sa propre chaîne. c'est magnifique. Il y a un mois de ça, je commençais donc Below Zero. J'ai pas tant accroché que le premier, j'avoue. Je l'avoue, j'ai pas tant accroché que cela. J'ai fait quand même, je crois, 6 épisodes. Et on est arrivé à une mission assez difficile de trouver les petits cargos à l'arrière. Et j'avais pas eu le temps, forcément, j'ai pas eu le temps du tout de faire des hors caméra. Voilà. Simplement ça, j'avais pas du tout les hors caméra. Ça veut dire qu'en fait j'avais pas le temps du tout de faire les hors caméra parce que juste derrière en fait je faisais aussi ta Satisfactory qui avait planté. Je l'avais expliqué sur une vidéo où Satisfactory était planté et j'essayais de refaire la map avec Pégase. Et avec Pégase, on a avancé donc l'épisode qui vient de sortir aujourd'hui, justement. Et qu'on a fait un live hier. Ça a pris du temps. Vous voyez comme quoi ça a pris quand même un mois avant que je ressorte Satisfactory. En sachant que j'ai quand même fait 40 épisodes. Donc vous avez eu le temps de les regarder avant que je puisse déménager dans mon jeu. Et de refaire. Donc on a fait caoutchouc plastique. Ensemble, Pégase et moi, donc en coop. Ensuite, il y a eu un nouveau jeu, Planet Crafter. Planet Crafter qui m'a été proposé par Tony, Toto, que je salue. Et que Anthony 46300, je crois que c'est ça. Il m'avait proposé ça, découverte démo. Donc c'était une découverte, tout simplement, une découverte démo. Vous pouvez le revoir donc sur ma chaîne et de revoir les épisodes. J'en suis à la 6e épisode, je crois. 6 épisodes, c'est ça. Et je pense qu'on est à la fin parce que la démo, elle se termine par la bio...
C'est une sorte de biosphère, une sorte de bulle en fait, une grosse bulle de biosphère où on met tous les fruits et légumes dedans et puis tout. Normalement, ça se termine là-dessus, je pense. Parce qu'après, j'ai pas de suite. Ensuite, j'ai découvert quelques petits jeux, genre Medieval Trader Simulation. C'est assez sympa. Faut le comprendre. Hein. Faut le comprendre parce qu'au début, quand on arrive sur le jeu, il n'y a pas de didacticiel forcément intuitif parce que c'était en anglais au départ. Je crois que j'ai dû même forcer le français là-dessus. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile et je l'ai pas fait forcément, je hors caméra, j'ai juste découvert, je l'ai pris, mais bon, voilà, sans plus quoi. De temps en temps, peut-être que je vais revoir ce que je peux faire dessus. En fait, j'avais fait l'épisode 41, apparemment. J'ai marqué 41 là, alors que 41. On peut dire que le 41 il est deux fois. Hein. Je vais mettre l'épisode 42, je me suis trompé. Comme quoi, vous voyez. Je cherchais. Je me disais que j'avais fait quand même 41e épisode, mais bon. De Satisfactory. Bon, ça arrive. C'est des petits trucs comme ça. Bon, voilà. Pour aujourd'hui, j'avais prévu aussi. C'était Minecraft. Minecraft, aujourd'hui. On était revenu sur Minecraft. Pourquoi? Parce que j'avais vu la 1.18 et ça m'a accroché parce que j'ai vu des nouvelles choses. Dans un sens, je suis un petit peu déçu de certaines choses qui servent à rien et d'autres m'ont étonné. Donc je me tâte. Je me tâte surtout que la mise à jour des minerais m'ont intéressé. Et après, je me suis un peu rebooté sur les minerais. Je me disais, mince, en fait, je me suis trompé. Je me suis trompé sur les minerais. Il s'avère qu'en fait, c'est plus difficile. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo spéciale sur les minerais. Je pense qu'on l'avait fait ensemble en plus. On fait la porte. Je sais même plus si je l'ai posté. En fait, il doit être encore en live. Mais on en avait parlé. Dying Light, comme le aujourd'hui. Oui, c'est la sortie officielle de Dying Light 2. Donc Dying Light 2. Je l'ai pas pris parce que je me suis dit j'ai jamais fait le 1. Enfin, pas complètement. Je l'avais commencé, je crois, même pas 30, une heure, même pas. Allez, une heure. En tout cas, j'ai rien fait du jeu. J'ai rien fait du jeu et là je découvre ça avec Babylon, un ami en commun qu'on a sur des jeux intéressants. Donc du coup, je lui ai proposé et puis on a fait 3 épisodes jusqu'à présent. Donc j'ai à peu près 6 heures de jeu, hein, vous pouvez le voir, hein, 4, 6, 8 heures de jeu. On fait pas mal en ce moment les petits trucs à côté pour pouvoir avoir le grappin en fait. Lui il l'a eu avant moi parce que bah, derrière il a eu du temps à avoir, comment dire ça? Pour pouvoir un petit peu crush le jeu et d'avancer dans les niveaux. Dans les niveaux avec Dying Light. Il est intéressant, hein, surtout que Survival Horror, si vous voulez, vraiment, on peut le faire en multijoueur. Il faut faire le début du jeu. Il y a juste ça, il y a juste ça à faire. C'est le début du jeu à faire. Après que vous avez votre première batte de baseball, un truc dans le genre, vous commencez à connaître l'équipe et hop, vous pouvez jouer en multijoueur. C'est pas si difficile en fait à comprendre, c'est juste que c'est un peu à l'Assassin's Creed, il faut s'accrocher un peu partout en mode FPS. Il faut avoir la tactique du maniement des immeubles. Voilà, le maniement des immeubles. Et j'ai découvert aussi un petit jeu sympatoche de Potion Craft. J'ai fait donc ça juste. Non, juste avant, j'ai fait Castle Flipper. Donc, Castle Flipper, pardon, je viens pas sur Castle Flipper, ça le fait pas. Castle Flipper, intéressant, mais le jeu a complètement planté, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a la 7ème épisode, elle est faite. Donc, ça, je vous le dis. La 7ème, donc la 6ème, elle est faite, mais la 7ème, déjà, le jeu commençait à bugger. Alors, pour X raisons, j'ai perdu tout. Voilà, j'ai tout perdu. À la 7ème épisode, donc je fais quelques missions. Enfin, je vous spoil ça comme ça, mais. Ça m'énerve parce que tu fais des jeux et du jour au lendemain, pouf, il n'y a plus rien. Ça me saoule. Ça me saoule. Et la 8ème, j'étais en train d'enregistrer. Mon PC a planté. Alors pour X raisons, hein, comme d'habitude. J'ai perdu. Donc la sauvegarde, ça n'a pas sauvegardé. Et du fait de ça, j'ai tout perdu. Donc pas la sauvegarde, hein, le château. Il a disparu. Complètement. Je le mettrai en fin de vidéo du 7, parce que j'ai fait le 7, donc je mettrai la fin du. Enfin, j'ai fait le 8, mais comme ça a planté, ça n'a pas enregistré, donc j'ai fait un épisode
pour la fin du set où j'explique ce qui s'est passé. Voilà. Ça sera pour la 7e épisode de Castle Flipper. Et après ça, Dying Light, j'ai découvert donc un jeu. Un autre jeu, ouais, que je voulais vous court pas toujours. Il est sympa, mais il est complexe. C'est un petit peu un jeu d'horreur, un peu énigmatique. Énigmatique, surtout, hein, ouais. Insomnie, c'est ça. Vous pouvez le revoir. J'ai fait un petit court métrage là-dessus, mais pas plus, parce que j'ai vu ce qu'il était comme jeu. J'ai passé à peu près 1h30 dessus, mais j'ai fait 14 minutes. Donc j'ai coupé les meilleures scènes que j'ai trouvées dedans. Et à voir aussi. Au passage, un bon petit jeu de vaisseau qui m'a plu. Et apparemment vous a plu aussi. Tape pas au fond, c'est dur. Extreme Axe Racing. Avec des vaisseaux spatiaux. Et en fait, il y en a plusieurs catégories où on avance au fur et à mesure. Et il est pas simple à jouer parce qu'en fait, il est très rapide. Ils sont rapides les vaisseaux. Il faut contrôler parce que vous avez des axes. C'est juste pour un vaisseau ou deux, pas plus. Donc forcément, dès que tu tournes, tu prends un virage, tu te prends un caillou, t'es mort, quoi. C'est ça le jeu. C'est ça que j'ai découvert. Et celui-là, juste derrière, que j'avais découvert, je me suis dit, allez, on fait des découvertes. Vous voyez comme quoi sur ma chaîne, on fait aussi des découvertes, hein. Et aussi sur Twitch. Je fais des découvertes aussi sur Twitch. En ce moment, j'ai rien préparé. Faut dire que là j'ai fait quand même pas mal de vidéos. Je me suis dit j'ai quand même bien avancé. Et puis je fais des nouvelles découvertes. Pour moi déjà et pour vous. Moi je prends le plaisir aussi de jouer, hein. Ne vous en faites pas, hein. Je fais pas ça à l'arrache. Je fais ça aussi pour moi, hein. Le jeu vidéo c'est une passion. La vidéo c'est une passion aussi. Et Potion Craft. On y vient. Potion Craft, un petit jeu sympatoche. Si vous vous ennuyez, vous faites ça. Franchement, ça vous fait passer un petit peu le temps. C'est quoi le but du jeu ? Le simple but du jeu, c'est de... Simplement, vous êtes un alchimiste débutant. Vous arrivez, donc, vous n'avez pas de maison. Et vous arrivez, vous découvrez une maison dans un village. Donc, c'est comme ça l'histoire, hein. Et vous... donc, il le retape. On voit qu'il retape la maison. Et vous commencez comme ça, brutement. Vous arrivez, les villageois viennent vers vous. Et là, ils vous demandent... des potions. Donc vous avez une petite carte avec toutes les potions à aller chercher à droite à gauche et des petits bouquins pour prendre du level. Vous allez à droite, gauche, droite avec des petites fleurs, des champignons, des cristaux et on avance au fur et à mesure comme ça à faire des potions. Et les potions elles nous donnent quand même pas mal de ressources pour les pégus, moi je les appelle les pégus, de villageois qui nous demandent de la santé, du feu pour brûler le champ du voisin. Des poisons pour aller éliminer les rats dans les caves. Des trucs dans le genre tout bête. Et on avance comme ça dans les niveaux. Je crois que là j'ai l'épisode 3, 4 et 5 qui sont en cours je crois. Là. Ouais c'est ça, 3 et 4. 3 et 4. Je dis je crois mais je suis sûr 3 et 4. Ils sont faits mais il faut que je les travaille. Juste, il faut que je les travaille. Donc après tout ça, bon vous voyez j'ai pas chômé. Hein. J'ai pas du tout chômé. Sur un mois il y a eu quand même pas mal de vidéos. Donc il y a eu... découverte démo... Donc sur The Planet Crafter, Subnautica Below Zero, je l'ai pas terminé parce que bon bah je l'ai dit pourquoi. Castle Flipper, je viens de l'annoncer, il est planté. Hein, je l'explique dans l'épisode 7 qui viendra normalement la semaine prochaine. Ça sera la dernière épisode bien sûr, où je sortirai sûrement demain. Demain comme aujourd'hui là j'ai fait ça et qu'il y a 4 jours que j'ai pas sorti de Castle Flipper. Donc voilà. Et Dying Light en cours avec Babylon. Et on revient avec Pégase donc sur Satisfactory. C'est quand même pas mal, hein. Et là aujourd'hui, j'avais prévu donc faire une après-midi peinard. Voilà, peinard avec son alcool et tout ça, tu vois, c'est bien hein, avec son alcool. Bon, voilà pour l'explication les amis. Voilà pour l'explication, j'en ai venu à vous dire cela. Ensuite, c'était pour l'explication, pour la discussion sur Twitch. Modification, non. Je reviens, les amis, vous en faites pas, je suis là. Allez, on va le lancer. Allez, on va faire un petit...
Planet Crafter. On va revenir sur Planet Crafter, allez. Ça sera sûrement la dernière épisode aussi de Planet Crafter. Parce que comme c'est que la démo, j'ai pas tous les mises à jour. Les dernières mises à jour sont en cours, mais après il faudra peut-être acheter le jeu officiel. Et j'ai plein de jeux en cours, donc je vais pas m'embêter à racheter le jeu. Alors que j'ai quand même pas mal présenté le jeu. Surtout au début, on voit comment que ça fonctionne. Et là, on commence à voir un petit peu plus comment dire, la finalisation du jeu Planet Crafter. Donc là, je sais pas si je peux changer en cours de vidéo le titre. Je vois modifier, il veut plus modifier, donc c'est mort. Modifier les infos stream, panneau, plus. Alors ça, je peux, d'accord. Après-midi peinard, modifier les informations, donc voilà. Allez, on repart, Planet Crafter. Donc c'était la petite demi-heure de, même pas, hein, j'ai fait même pas 18, 20 minutes de discussion avec vous. Après-midi peinard. Ouais, mais si je marque en charabia, vous allez pas comprendre. J'espère que ça va fonctionner le titre, hein. Dites-le dans les commentaires. Recherche, tag, planification, on passe à plusieurs. Tac. Mise à jour. Voilà. Normalement, ça a changé pour vous comme pour moi. Donc, ok. Attendez, hein, j'essaye de. Hop. Zut. Non, annule. Voilà, annule. Je fais des réglages en même temps. Planet Crafter, alors voilà. Tac. Est-ce qu'il va? Nouvelle catégorie Planet Crafter. Est-ce que le titre il y est? J'espère que c'est bon. On va jouer. Donc, je vais mettre le son. Je sais pas si on l'entend, le son du jeu. Jouer. Charger. Chargement. Oui, c'est bon, impeccable. Merci Père Lounette. Ça va être une grosse après-midi, hein, je vous le dis. Enfin, j'espère que je peux faire une grosse après-midi. Pour faire plusieurs jeux. Avec vous. Planet Crafter, qu'est-ce qui se passe? Je peux un peu plus bouger ou pas? C'est bon, impeccable. Planet Crafter, alors, on en est ici. Avec toutes ces énergies et surtout, les amis, le nucléaire. Alors, j'en ai fait un plus gros. Je l'ai mis plus loin. On peut aller le voir. Là-bas, le voilà. La grosse charge nucléaire qu'on a débloquée dans l'épisode précédent. Et que on a découvert donc ensemble. Par contre, lui il donne énormément d'énergie. Et ça, c'est l'amour. Il m'a coûté cher, certes, mais c'est l'amour. Lui il doit être plein. J'avais dit d'en mettre un deuxième, mais j'ai pas eu le temps dans l'épisode précédent. Donc ici, on va tout récupérer. Comme ça, il aura le temps de recharger. On peut en remettre à côté. Et je pense que je vais faire ça. Parce qu'en fait, lui il se remplit tellement vite. Tellement vite. Je suis quasiment plein dans mes poches déjà. Donc j'avais posé aussi dernièrement un petit truc qui met une sorte de d'algue. Ah, on a une pluie de météorites les amis. Pluie de météorites. Alors pour X raisons, hein. Donc ça, ici. Voilà. Pluie de météorites. Et c'est quoi qui tombe là? On va aller voir là-bas. Il y a des trucs qui tombent.
Alors, je sais pas pourquoi ça tombe. Je vous le dis. Mais ça tombe. On attire de plus en plus de météorites, j'ai l'impression. C'est du fer. J'ai pas demandé de quoi que ce soit, mais bon. J'espère que ça casse rien parce qu'ils ont fait des petites mises à jour. Oh, ça s'est écrasé sur le vaisseau. J'en ai vu un s'écraser là-bas. Je vais aller voir. Je pense qu'il n'y a rien. C'est une petite pluie de météorites. De ce qu'il y a de plus banal. C'est ça. Oh là 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 là. Hey, hey, le jeu est bugué ou quoi là? Wow. Il y a du fer, beaucoup de fer. Est-ce que c'est du fer qui a explosé? J'en sais rien du tout. Ça tombe encore, hein, regardez. Hop, là-bas, ici et là-bas. Bon, il y a rien, il y a rien. J'ai rien commandé normalement au Père Noël. Ce jeu me fera toujours rire. Alors, il y avait des nouvelles cavernes. J'en ai découvert une là-bas. Et j'en ai découvert une derrière là-bas. Quand même pas mal guaqué. Est-ce qu'il y a eu des mises à jour? Je ne pense pas. Il y a eu des mises à jour dernièrement. Alors, ce qu'on devait voir ensemble, c'était le biodôme. Je crois que c'était ça, le biodôme. On peut le faire, mais il nous manque quelques petites sources. Des petites sources de rien du tout. Et on pouvait faire aussi extracteur de minerai. Extracteur de minerai qui est pas mal, j'avoue. Que j'aimerais revoir encore une fois. Pour extraire des minerais. Donc il nous faut de l'osmium, une barre d'uranium, une super... D'accord, donc ça coûte si cher. Je pensais plus que ça coûtait si cher. J'ai ça, et l'iridium. L'iridium, j'ai plus. J'ai plus d'iridium. Bon, l'iridium, il faut le commander au Père Noël. L'iridium, c'est 9 lingots. Ah oui, il nous fallait quelque chose comme ça aussi. Je crois que c'était pour celui-là, le biodôme. C'est sa pépite de bioplastique. Et il y a eu un biodôme. Mais bon. Mais bon, mais bon. Ici, on va mettre ça, ça, ça. J'ai énormément de fer, hein, et de trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais mettre un autre truc de minerai. Après, on peut faire une chose qu'on n'a pas encore fait dans le jeu, c'est la décoration. La déco qui reste banale. Elle reste vraiment banale. Pourquoi? Il n'y a juste que 3 bricoles. Voilà. Qu'on peut retrouver facilement. C'est ces trucs-là. C'est des morceaux de tissu, en fait, qu'on trouve. Je les ai baladés un petit peu à droite et à gauche parce que j'en avais pas forcément besoin. Simplement. Ici, c'est ça. Ici, c'est ça, normalement. Mais bon... Je suis complètement plein partout. Je pourrais bourrer ça là, mais je peux pas. Là, c'est plein. Ah, bout de tissu, attendez. Non. Le nom, je m'en fous. Le bout de tissu. Je sais pas si on en a d'autres. Je pense pas. Ah, si, ici. 1, 2, 3. Et on peut en retrouver dans les vaisseaux. Hein. Je vais le foutre là-dedans. Je suis plein au niveau bouffe. Je suis plein au niveau eau, hein, de l'eau. Il faut souvent de l'eau, de l'oxygène. L'oxygène est encore assez simple à faire, on sait comment faire à force. Donc il faut deux cobalt. Voilà, deux cobalt et on a une bouteille d'oxygène. J'ai plus à vous expliquer tout ça. Hein. Normalement vous devrez le savoir maintenant. Sauvegarde. Donc, ici j'ai tout bourré. Hein. Au terme de ça là, j'ai tout bourré ici. Et normalement j'avais pensé à mettre quelque chose ici comme une pièce de réunion. Une pièce normalement j'avais fait une pièce aussi au dessus mais je l'ai enlevé. Voilà, je l'ai enlevé. Je voulais la mettre ici, cette pièce. Et je pense que je pourrais le mettre directement là, devant vos yeux ébahis. Il me faut du fer et du titane. Et on avait vu qu'on pouvait raccorder tout ça ici. Donc moi je suis plus obligé de sortir. Je peux faire un long tunnel qui viendrait jusqu'à ici. Hein. Pourquoi pas. Du fer, du titane, c'est pas ce qui manque. Allez, c'est parti. J'ai une idée, je la fais. Je vous l'accorde.
du fer et du titane. Il y en a en masse. Et on a notre déco à faire juste derrière. Et ça, ça va être magnifique, les amis. Allez. Hop. Les lois de la pesanteur, on s'en fout. Hein. Vous voyez, ça flotte. On est dans l'espace en même temps. Hein. Ah, je sais pas si j'arriverai à le raccorder parce qu'il est peut-être pas en face. Voilà. Le truc, il est là. Est-ce que je suis en face? Je pense pas. Hein. Est-ce que le jeu se dit, ouais, il est en face, on va pas trop s'enquiquiner. Est-ce qu'il va vouloir surtout le jeu? J'essaye, on essaye. De toute façon, je peux tout reprendre, j'ai plus de fer. Vous voyez comme quoi ça coûte cher. Ouais, je voulais faire un petit truc où je peux aller de vaisseau en vaisseau sans trop m'enquiquiner. Sans trop m'embêter. Du titane, ah, en fait il prend pas tellement de titane. On va alors prendre un peu de titane ici. Ah non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais des bêtises, pardon. Je suis en train de ranger ou d'en prendre. Ah, c'est ça que je voulais prendre, voilà. Je me suis trompé de coffre en fait. Tout simplement, trompé de coffre. Donc là, le tunnel. C'est le long tunnel. Sont pas à la même hauteur. Mais après ça peut faire quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien en fait parce que bah on, je l'agrandis. Je sais plus si les pièces qu'on les met par 4. Non, je pense pas que les pièces par 4 fonctionnent comme je viens de le penser. Parce qu'il y a un gros piqueur en plein milieu. Le truc le plus bête en fait que je trouve du jeu, c'est qu'il y a ça en plein milieu là. Ici. On a deux portes. En fait, ça fait tout un truc comme ça. Et là, forcément, moi je me retrouve ici. Voilà, vous voyez. Comme dans les vrais vaisseaux. Là, c'est le vaisseau spatial. Où on retrouve un peu comme dans Alien en fait. Tout simplement. Alien. Du silicium. Est-ce que je peux ouvrir une porte là et d'aller là-bas? Ça serait bien aussi. Ça aussi, ce backlash pourrait le bouger. Et vous voyez, j'ai essayé de faire quelque chose. Mais je peux tout redémonter et raccorder tout ça avec lui. Hein. Et c'est faisable. C'est faisable. Si on peut faire ça aujourd'hui, ça serait impeccable. Voilà. Je voulais faire un truc dans ce genre. Ça fait que là, je pourrais pas la raccorder, vous voyez. Effectivement, c'est un peu ballot. Avertissement. Vous avez soif. Voilà. Donc là, on prend son petit outil. On démonte. Je vais essayer de refaire la même chose mais pour aller par ici. Comme ça. Et mettre son biodôme là. Pas forcément aussi loin. Parce que maintenant j'ai de la place ici. Hein. Ça je pourrais les enlever aussi. Et rapprocher le biodôme. Non, c'est même pas le biodôme, lui, c'est le. Déconstruire la fondation de. Et ça c'est quoi déjà? Biodôme, non, c'est bien ça, c'est bien le biodôme. Le problème, ce qu'il y a, c'est que en fait ici, vous voyez, si je raccorde, je sais pas si je vais y arriver. Vous voyez, non, je peux pas le faire. Là, pareil, je pourrais pas. La hauteur, elle est bonne de lui, mais pas de lui. Dommage. Après le biodôme, je peux peut-être l'accrocher là-dessus ici. Il y a encore quelque chose juste là derrière et qui me chagrine quand même de l'enlever. Donc qu'est-ce que j'ai sur moi, d'accord? Aluminium, etc., etc. Attendez. Donc là j'ai enlevé quelque chose. Il fallait peut-être pas l'enlever, mais je voulais l'enlever. De toute façon je peux pas le raccorder. Clairement je peux pas le raccorder ici.
à moins qu'ils font quelque chose, genre un escalier, mais il n'y a pas en fait. J'ai pas posé ma maison sur une fondation. J'aurais peut-être dû faire comme ça en fait, dès le départ. Dès le départ. C'est en somme ma faute. J'aurais dû faire ça comme ça, ouais. Et là, j'aurais pu tout raccorder parce que ici, c'est le plus haut, c'est le plus plat. Et ici, je suis en plus bas en fait. Je me demande si je devrais faire ce que je viens de dire. Je pense, hein. Je pense qu'on pourrait tout démonter, tout refaire, tout. Ça prend pas beaucoup de temps, vous voyez, même pour construire. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Ah. Bon, ça c'est pas grave. On peut les récupérer. On peut les récupérer. Donc là, je fais ça. Je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ça se raccorde pas à ce que je veux. On va revoir. On va revoir tout ça. Allez, on va ranger un petit peu. C'est pas grave. On va dire que c'est des choses qui arrivent. Non, ça, je vais le garder. Parce que je vais le reconstruire, en fait. Je vais regarder encore quelques trucs. La remanipulation du jeu, quoi. Voilà. Donc ici, on va mettre, si je peux, hein. S'il le veut. Mais je pense pas parce qu'en fait, il est posé, lui. Vous voyez? Il est déjà posé. Donc il faut l'enlever aussi, quoi. Allez, on enlève tout. Ça explose, ouais, forcément. Et j'ai plus de place. Non. Inventaire pas vide. Alors? Je peux plus? Ah, pardon. Je trompe de bouton. Bon, je mets quelques babioles comme ça, vous en faites pas. Vous allez vite comprendre. Il m'a coûté quand même bonbon. Vous voyez comme quoi je vous mens pas de tout ce que je fais. Ça me coûte bonbon, mais au moins. Non, c'est pas ça. Et le plateau, il est très bien le plateau en fait. Il arrive juste à la planification du terrain. Et c'est ce que je voulais. Donc tant mieux. Parce que là, on va le continuer en fait. On va le faire en continu. Ça coûte pas si cher. La dernière fois que j'ai fait quelque chose et j'ai pas mis sur plateau, je l'ai regretté, c'est là-haut. Et j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Malheureusement, à vouloir faire des choses à un moment donné, voilà. On le paye de sa propre personne. Bah, le biodome, en fait, je pouvais le laisser dessus. Mais je voulais voir un petit peu où placer quoi. Et tout ça, on va le démonter. Est-ce qu'on part comme ça en L? Je vais encore en mettre ici comme ça. Pour être sûr d'être bien large. Hop. Et là, on partirait comme ça. Surtout avec la fusée. C'est intéressant. Du fer. Il en faut du fer et tout ça. Il en faut des choses. Titane, fer. Donc là, on est bien. Je vais reposer le biodôme. Je crois qu'il fallait ça. Je vais regarder pour le biodôme. C'est celui-là. On peut pas, vous voyez, on peut pas le poser comme ça. On peut pas le poser parce qu'en fait c'est quelque chose de plat. Et c'est dommage parce que le jeu ne le permet pas. Il faut tout de suite avoir son truc. Donc forcément, voilà quoi. Donc ici, le biodôme. On reprend avec le biodôme. Ah. Vous voyez, je vous le disais, hein, c'est des trucs assez grands. Donc je vais l'agrandir.
On va agrandir. C'est bête, j'ai pas de raccourci en fait. C'est pas comme Minecraft, on a pas de raccourci. Il faut chercher au fur et à mesure et faire au fur et à mesure. Pas le choix en fait. Pas trop le choix. Du fer, beaucoup de fer. Et c'est pas ce qui manque. Le biodôme est large. Non, pas le biodôme, qu'est-ce que je fais moi? J'ai pas tout compris moi. On va faire une plateforme sur 3. Je pense qu'on va faire comme ça. On va être large, 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 large. Et le dernier. Que je peux pas. Je peux pas. Ah bah je peux démonter ça déjà. Voilà. Et voilà. Niveau capacité, on est juste aussi. Bah une goutte. Voilà. On va manger un bout. Je peux pas manger. Je peux pas manger. On va manger. Voilà, normalement j'ai la graine et j'ai de quoi me nourrir. On va reposer la graine. Et ça repousse. Alors le biodôme. Je sais pas pourquoi je veux mettre absolument le biodôme comme ça ici. Pourquoi je... Aucune des raisons. J'ai aucune raison. En plus on peut avoir une belle vue par rapport à la mer qui est juste là parce que ouais on a un océan maintenant. Biodôme, est-ce que je peux le faire? Il me manque quand même pas mal de ressources. Ils sont normalement ici. Non j'en ai déjà 3. Biodôme, c'est bon, je peux. On va bien le mettre au bord. On n'a pas la vue. Hein. Je sais pas. On est bien au milieu. On est bien au milieu. Ouais, vous savez quoi? On est bien. Je vais pas me casser les pieds. Je l'ai mis quasiment vers moi. Donc là on avait dit de mettre un cube. Parce que je peux pas faire autrement. Ici il faut automatiquement que ce soit accroché avec c'est, je crois que c'est le biolab, c'est ça. Le biolab juste derrière. Je voulais en fait raccorder plusieurs trucs à la fois. Et je pense qu'on va faire ça. On peut le mettre là, vous croyez? Coller là, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Le biolab, il est pas si cher en plus. J'ai encore les petits matériaux. Ça qui est bien. Pas si cher, mais c'est les super alliages. Super alliages, c'est plusieurs minerais en même temps. Je vais essayer. Lui. Ah, on peut le raccorder. On peut, il le veut. Mais il le veut de quel sens aussi, c'est ça que je me dis. Ça fait quoi là? Ça fait quoi? D'accord. Ça fait bien. C'est pas dégueulasse. C'est pas trop dégueulasse. On va continuer les plateformes, je pense. Mais je sais pas pourquoi, regardez ça, ça fait horrible. Le vaisseau, en fait, il se fait... le plateau, il est... Il n'y a pas de position définitive sur le plateau. Je l'ai posé, je peux pas faire autrement. Sinon, si je le surrelève, il y a au moins 10-20 cm en dessous. Après, ça se voit pas. Ça se voit pas. Enfin, je pense pas que ça se voit, mais bon. Je peux pas faire autrement. Et ici, on mettrait la suite. Ça nous coûterait moins cher, je pense. Parce qu'après, j'avoue que niveau structure... Ça peut vite monter, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Ça peut vite monter. Donc tout ça, on va le démonter, hein, tout ce que j'ai fait ici.
Et puis on va mettre des coffres et tout ça. Faut pas s'inquiéter, hein. Tout va se refaire. Faut juste que je trouve comment placer comment. Parce que le comment du pourquoi. Ça je vais l'enlever pour l'instant. On va faire ça après. La déco vient après. Pour l'instant, on refait la manipulation du vaisseau. Normalement, on va être bien parce qu'on va être suspendu dans le vide, on va dire. Il n'y aura plus de plateau à partir de là. Pour X raisons. Et là, on va venir comme ça. Après, je peux faire quelque chose de plus large. Je veux dire, je peux le faire par 4. Comme le mien, il est que de 6. Non, il n'y en a que 3. Tant que je dis pas de bêtises. Il y a 3 et 2, 5. Il y a un compartiment, 2, 3, 4, 5. 5 compartiments. Donc, ouais, je peux vite fait être large en fait. Et puis, je peux rentrer par le biolab. Ça ferait bien. Je peux mettre 2 portes. Le temps que je peux en faire. Allez hop. Ah non, c'est bon. Vous voyez, c'est la suspension de ce truc qui me fait fortement rire, mais que le plateau ne correspond pas du tout à ce qu'on recherche. C'est-à-dire que je vais poser le plateau, mais à chaque fois, les compartiments s'enfoncent dans le plateau. Et j'aime pas. C'est pour ça que j'en mets pas, en fait. C'est dommage, parce que bah ça a plus de sens de le poser comme ça. Et en plus de ça, on voit la grille. La grille qui est là, c'est un peu la grille qui est ici, quoi. Regardez, ça s'enfonce dedans et ça fait sens, mais bon, c'est pas mon truc, j'aime pas, on va le laisser comme ça. Vous savez quoi, c'est très beau ainsi soit-il, on laisse comme ça. Est-ce que vous êtes jugé, Ludovic? Bonjour Ludovic, comment tu vas Ludovic en ce vendredi? Chez moi il pleut. Moi je vais bien. Donc, il me faut du fer. Du fer, je l'ai posé partout. Nulle part à la fois, du fer. C'est ça, on va aller derrière. Et on va aller là-dedans. Et il m'en a récupéré. Ça va de plus en plus vite ce truc. Plus qu'on avance dans les trucs, plus... Merci de passer. Merci de passer à toi. Merci d'être là. Merci d'être là. Donc là, je continue. Donc, je pense que tu as compris. Un planète crafter. Je déménage en fait tout ce qu'il y a là. Pour faire sens au niveau de mes compartiments. Et je voulais quelque chose d'un peu plus correct. En termes de design. J'étais un peu à l'arrache comme ça en arrière, mais bon. Tout ça, ça le vaisseau, enfin les compartiments, je vais le démonter. Pas forcément tout ça. Pas forcément tout ça. Donc là, je me laisse une marge au niveau du vaisseau, et là, je mettrai une porte, là, je pense, comme ça. Ce qui est dommage, c'est que, voilà, comme je viens de le dire, je me répète peut-être, mais si je mets un plateau là devant. Est-ce que je peux le mettre en dessous? C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que ça fait pas sens en fait pour moi, à mes yeux. C'est que c'est bien poser des plateaux, mais comme tu vas voir, j'ai l'impression que ça transperce en fait les compartiments, tu vois. Là, je peux les poser. Alors, je sais pas si je continue à poser des plateaux ou pas, mais on va faire ça. Allez, on va faire ça. Tant pis. Ça fait pas sens à mon goût. Et c'est pas grave. Est-ce qu'on le ferait pas en U? Ça serait... Parce que là, il y a le biodôme. C'est parce qu'après, il y a encore quelque chose qui va arriver. Hein. Ça va arriver aussi derrière. Le biodôme T2. Je vais garder celui-là. Mais le T2 va arriver. J'ai pas cherché les champignons. J'étais en train de faire ça, Ludovic. Pour les champignons, aucune idée de où vraiment ils sont. C'est tellement grand, en fait. Je me suis dit, je vais chercher ça peut-être hors caméra, si je commence à chercher. Après, si tu veux me l'indiquer, vas-y. Hein. Indique-le-moi.
Montre-moi. Je vais le démonter. Non, pas ça. Cette partie-là, je vais le démonter. Et on va le faire en U. C'est-à-dire qu'on va venir ici. Non, le plateau d'abord. Je confonds toujours les touches en plus. Alors, ici. Tac, voilà. Ça va faire plus propre, j'avoue, j'avoue. Clairement. Clairement plus propre. Donc là je peux pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu en as laissé dans les vaisseaux et dans les et dans des caisses. C'est. Ah, je vois, c'est quoi? C'est ça que tu veux parler peut-être? Ça? Non? Tissu? Il y avait des tissus et il y avait aussi un champignon. Je crois que je sais de quoi tu parles comme champignon, peut-être. Il y avait ça ou sinon il y avait un autre truc. Mince, je sais plus, c'était en cours que j'avais vu ça. C'est dans quelque chose, je crois qu'on peut crafter. Ça, la pépite bioplastique, non? Le truc jaune là qu'on voit. Une sorte de champignon, comme tu dis. C'est peut-être ça que tu parles. C'est peut-être ça. Ou c'est moi qui est complètement buggé, qui est bête comme mes pieds. Ah, j'ai soif. Ah, pour l'instant, on va ranger son titanium. On va boire une petite goutte d'eau. J'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau. Il y a de l'eau. On va prendre de la bouffe aussi. Si on part en aventure, automatiquement, je prends de la bouffe. Les minerais, ça sert à rien. Et on va partir chercher les champignons. C'est vrai que tu me l'avais indiqué. Excusez-moi, monsieur Ludovic. Oui, quoi, oui. C'est des trucs que tu fais pousser comme les navets. Ce truc-là, d'accord. Ça, les courges. Tu dis que j'en ai oublié plein? Bah, en fait, j'en ai plein, regarde. Ça pousse, j'ai l'aubergine, j'ai les haricots et j'ai les courges. Et toi, tu me dis des champignons, des champignons. J'ai aussi attrapé ça, l'engrais. L'engrais, peut-être pour le biodôme 2, T2. Et il y avait ça, ouais. Après, je sais pas. Il y avait plusieurs trucs comme ça que je sais que j'oubliais, que je pouvais pas prendre, j'avais les poches pleines. Indique-moi. Montre-moi. Oh, Saint Ludovic. De l'eau, de nana. Ah oui, c'est ça qui me manque. De. Je peux pas. J'en ai pas vu. Ah zut, je peux pas me faire de bouteille d'oxygène. Si je dois partir en aventure. Comment je fais l'aventure? Ah si, je peux. Qu'une bouteille. Zut. Ça va pas faire beaucoup. Donc tu dis que je l'ai alors, Ludovic. C'est des trucs que tu fais pousser comme les navets. Ah mince, j'ai pas bu. Critique. Voilà. Je peux prendre des aubergines s'il faut, mais bon. Je peux prendre ça avec moi. En fait, il y a un taux de santé restauré. En fait, lui, il est moins. Celui-là, par contre, il est plus. On voit 60 de santé et l'autre, c'est 40. Voilà. Pour petite anecdote de la santé en fait par rapport aux fruits. Et lui, je sais plus, on va le prendre. Hop. Et on va le replanter. Hop. Et on va savoir 25. Donc tu vois, et c'est pauvre en santé lui. Que lui, quasiment, il donne 60. Il donne 60. Donc tu me conseilles de repartir dans les vaisseaux, quoi. C'est pas trop là où je veux aller, mais c'est pas grave. Parce que j'ai encore plein de trucs à faire là. Donc le vaisseau là-bas, allez, je vais dans ce vaisseau là-bas. Normalement, je l'ai terminé ce vaisseau, ici.
ici. Et l'autre là-haut, pareil, je l'ai terminé. Il y a que ce gros vaisseau là-bas. Vers la gauche, au nord. Au nord, je l'ai achevé. Ici, il était pas loin de chez moi, donc c'est pour ça que j'avais vite fait accès. On y va. Peut-être qu'ils ont mis des nouvelles choses hein, que j'ai pas vu depuis. Allez, monte. Mets ton éclairage. Hop, hop. On fouille. Là, ici, il y a un coffre. Je sais qu'il y avait des petits coffres aussi. Hein. Ici, il n'y a plus rien. Je démonte. Comme ça, on est sûr. Voilà, paf, c'est fait. Lui. Il n'y a plus rien. Je le démonte. Tac. Là, ici, on est bon. Là, ici, on est bon. Je sais qu'on peut repartir par là. Et j'étais passé par ici. J'avais trouvé un coffre là. Ici, je peux rien démonter. Là, je vois rien. Là-bas. Non. Avant de démonter. Ah, une puce électronique, tu vois. Plan de micro-puce. J'ai bien fait de revenir. Ils ont mis apparemment une nouvelle mise à jour de plan de micro-puce. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, clairement. Le vaisseau. Là, je l'ai vidé. Voilà. Ce vaisseau est terminé. Mais je suis bloqué à chaque fois ici. Ça m'enquiquine. Voilà, vaisseau terminé. Alors, on va dire ce vaisseau. On l'a achevé. Ici, je sais qu'il y a encore un vaisseau. Je vais essayer de voir si je peux y aller. Mais il me faut de l'oxygène. Je peux pas partir sans son oxygène et... Qu'est-ce qu'il m'en faut de l'oxygène, ça aussi? Waouh! J'en ai utilisé depuis ces 6 derniers épisodes. Je peux pas encore. J'ai pas ce qu'il me faut. Parce que je veux partir très loin, mais il me faut beaucoup de bouteilles d'oxygène. Donc là, je vais économiser. Allez, on économise. On va les mettre là-dedans, les bouteilles d'oxygène. On va pas les utiliser maintenant. C'est dommage. Je voulais le... Allez, on mange son petite aubergine. Non, on mange, j'ai pas dit qu'on le place. Ça, et puis je vais planquer ça tout de suite. Ça et ça je planque. Comme ça je le perds pas, j'en suis sûr qu'il va être là. Voilà. Donc après tout, on va continuer à mettre ça comme ça. Parce que j'ai encore du fer, j'en ai plus. En U on arriverait où à peu près? Ici, là. Ouais. On a vite dépensé tout, hein. J'ai vite tout dépensé, hein, j'ai remarqué. Pouf. Donc là, on a fait un vaisseau, on l'a achevé. Est-ce que c'est bon pour toi, tu penses Est-ce que c'est bon, les amis? Parce qu'après, il y a le biodôme T2 qui va arriver et je pense que lui, il va être immense. Et je vais le foutre derrière. En fait, je vais le mettre ici quelque part. Il va être immense. Je sais pas sa taille définitive. Parce qu'on peut pas, en fait, j'ai pas tous les échantillons. Il me manque des échantillons. Ah oui, il y a ça aussi, allez voir. Fer. Silicone. Regardez. Tout à l'heure, ça tombait dans tous les sens. Je peux pas aller dedans. Ouvrir. Et ça, c'est un collecteur d'eau. Donc, il n'y a pas de bio, je sais pas trop quoi. Je peux pas récolter. Je vois que je peux rien récolter. Je l'ai mis au bord parce que je savais pas jusqu'à où que ça pouvait aller. Voilà pourquoi. On m'avait demandé de le mettre plus loin, mais... C'est compliqué. C'est complexe. Donc j'ai récupéré du fer, je pourrais encore avancer un petit peu là, s'il faut. Je vais mettre toujours des plateaux pour que ça fasse sens. Allez, pour moi non, mais bon.
dernière fondation ici, peut-être, non? Oh, il en faut des fondations, c'est dingue. Ah, je peux plus. Ah, je suis peut-être trop enfoncé. Ah oui, d'accord. Il y en a un que je l'ai mal mis. Lui, je l'ai mal mis. Et en décalé, d'accord. Je me disais aussi qu'il y avait un problème au niveau des... Non! Ah! C'est lui que je voulais enlever, Abrutus. C'est lui que je voulais déconstruire. Et j'ai déconstruit plus loin. Non! Du coup, on va voir quelque chose là-dessous, toi. Je peux rien voir. Est-ce que je peux me baisser? Je peux pas me baisser, hein. On est d'accord. Oxygène. Oh là là. Le fail. Le fail de ma part, les amis. J'ai déconstruit un truc. Bon, après, on le voit pas, hein. Allez, on le voit pas. Allez, vous savez quoi. C'est juste pour l'apparence. Clairement. C'est clairement ça pour moi. Hein. C'est juste pour l'apparence. Voilà. Là, là-bas, on le voit pas, forcément. Bah, je m'en gratte bien. Les roubignoles. Là aussi, même lui, hein, je pourrais l'enlever. Je vais faire juste une chose, les amis. Je vais baisser mon volume. La 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 la, je comble le bruit. Je comble le bruit en chantant. Faire du faire encore et toujours. Ah, j'en ai plus. J'en ai plus. Des champignons. Moi, je vois pas de quoi tu parles. Tu dis champignons, mais moi, je. J'en ai pas croisé. J'ai des shorts. Tu dis que c'est des navets. Des navets. Allez, on va mettre une porte ici. Ah! What? Ça m'a soulevé. Je sais pas si vous voyez la hauteur. Hein. Oup. Et là, on a plein de pièces. Là, on peut se faire plaisir. Là, on a quelque chose. Sachant que là, c'est l'oxygène absolu. Hein. Je crois qu'une pièce peut être chargée ou je sais pas trop. Ce n'est pas grave. Et on va tout démonter. En commençant par tout ça. Si j'ai de la place. Parce que faut que je me fasse de la place. Attention à ce que je fais. Parce que faut que derrière j'arrive à le reconstruire aussi. Comme ça, c'est pas trop cher. Ça coûte combien ça? 3. Allez, ça je le démonte. Je l'ai sur moi. Alors. Ça coûte combien? Allez, on va placer ça tout de suite. On va le démonter. Allez, viens avec papa. What? Attendez. Il y a 2 minutes, je pouvais passer. Là, il m'a bloqué. Oh là là. C'est à plus rien comprendre. Donc là, je vais le mettre pas forcément à l'entrée. C'est un peu comme si tu arrivais dans une gare et t'avais ça. Est-ce que je vais le mettre à côté des coffres ou pas? Allez. Tac, on va le mettre là. Comme ça, on peut faire son oxygène et tout tranquillement. Ici. La piscine à... Un machin, truc bidule. Voilà. Ça fait des choses bizarres. C'est beau, hein, tu rentres, t'as ça, franchement, j'aime bien. Et les ordinateurs, je vais les mettre avec un bureau ici, par la suite. Parce que je peux faire les ordinateurs, je peux faire les bureaux, et là, les bureaux, les ordinateurs, tout va être classé. Nah. Oh, c'est bugué. Il disparaît. Dommage. Alors, les ordinateurs. Ça, c'est les écrans. Les écrans, hop. Est-ce que je peux les replacer dedans? Ouais. Les écrans, je les ferai plus tard.
Ça, en plus, je récupère des choses pour respirer, ça c'est bien. Il y a aussi les vitres aussi à voir. Ça, j'ai pas mis de vitres. J'aurais dû peut-être repenser aux vitres. Parce que là, franchement, c'est un truc habitable. Il y a des vitres ici, il y en a là. Mais ça, c'est des plus grosses vitres. Hein. Et là, il y en a plein. Là, on peut pas. Là, des vitres, si tu as besoin de soleil. À l'entrée, peut-être. Ou au bureau, parce que je veux faire un bureau. Il y a déjà des bureaux. Hein. Ah, j'ai une idée. Je viens d'avoir une idée. Je vais tester quelque chose que j'ai pas fait dans le jeu. C'est les écrans. Celui-là, par exemple. Lui, il nous donne la mesure électrique. Est-ce qu'on peut le poser là-dessus? Voilà, c'est ça ma question. Yes! Pas besoin de bureau, j'ai un bureau. Na. Tu rentres, t'as tes ordinateurs, mec. Ah, bah voilà! Regarde ça! Pas besoin d'autres bureaux, j'en ai un. J'en ai un, mon bureau. On va tous les démonter, allez hop, ça c'est bon. Mais voilà, on a notre bureau. Regardez ça. On va en mettre un là. Et je crois qu'en plus je peux les empiler, c'est ça le truc. Écran plat, non. Si, attends. Si, c'est là. Lui c'était là. L'autre sens s'il te plaît, allons. En plus on peut les mettre biais comme ça. Un peu comme des écrans qu'on a gaming. Gaming, tu fais ça, tu regardes, hop. Voilà, t'as juste à sélectionner ce que t'as besoin. À la même hauteur que lui, donc ça serait à peu près là. Voilà, voilà. Bon, on s'en fout, hein. Mais c'est juste pour l'aspect, ça me fait rire. Et lui, je vais le mettre dessus sur lui. Nah. Ça fait pas sens. Y'a rien qui fait sens, c'est pas grave, on s'en fout. Et là, lui demande. Alors, on peut faire. Alors, attendez. Il y a ça, il y a le newsletter, il y a l'électricité à droite et les plans à non, l'électricité à droite, les plans à droite. Lui, je vais le reculer. Oh. Non, non, on laisse comme ça. Touche plus, touche plus. Je touche plus à rien. Là, on est bien. Bon, vous là, madame, monsieur. Déjà, je vais t'enlever. Toi et je vais. Toi. Viens là, viens là. Ah, il est pas fini. Il y a combien de pourcents? 79%. Tu sais quoi? Viens. Tac, ça nous donne. Ça va, c'est pas si cher en fait ça. Et ça, on peut les mettre dans. Ici là-dedans. Allez, hop, vous savez quoi? Ça fait partie des plantes. Et là, c'est le labo quoi déjà? Attendez. Non, pas déconstruire. On est dans le biodôme. Le biodôme, c'est lui. Et lui, c'est le. Parce que je confonds les noms. Là, je commence. Le biolab et le biodôme. D'accord, le biolab. Ouais, il nous faut de la place. On peut pas s'asseoir. On peut pas s'asseoir. Ah, le générateur d'algues 2. Déverrouille à 25 kg. 25 kg de quoi? Fait pousser des algues sous-marines, génère de la biomasse placée sur une surface d'eau. D'accord, 25 kg. Bon, si tu veux. Si tu veux. Donc ça, on va les remettre. J'en ai vu 3. 3 producteurs d'aliments. Ah non, c'est pas les plantes, c'est les alimentations. L'alimentation. Pour moi me nourrir. On peut les mettre ici, hein. Dès que t'as un creux, tu viens là, tu vas chez McDo, quoi. Avertissement. Voilà. Si tu veux. Tac. Bah après, je les tourne pas, mais c'est pas grave. Ça c'est mon alimentation.
et 3. Je devrais mettre plus ça, mais bon. Je vais même manger un bout, tiens, allez hop. Paf. Il y en a dans le vaisseau. Il y a le canyon. Dans le canyon? Quel canyon? Ah mais c'est grand aussi, faut détailler, détail. Parce que tu dis dans le canyon, mais les canyons, il y en a partout. Ça y est, je me suis perdu. Mince. Ça commence. Attends, un ami. Les canyons juste en face, là-bas. Dans le vaisseau qui est en haut, alors. Là où je me suis tapé un vent une fois, où... J'ai essayé de grimper. Et c'était pas ça. Je m'en rappelle. Je garde de la place pour ça. Impossible de déconstruire quelque chose. Ah. J'ai encore de la place. Hop. Ah. Oh, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Pardon. Je vois des choses. Et ça, je pourrais les mettre de... Ça, je pourrais les mettre dans quoi, ça? Une pièce par 4. Je pourrais en mettre par 4. 1, 2, 3, 4, non? Je vais les mettre tout le long, là. Il y en a 4, normalement, que je peux faire. Ça, ça réchauffe. Je crois. Ça prend un peu de place, j'avoue. De là. J'avais dit de faire un bureau, mais le bureau là. Hein. Donc pas besoin de bureau. Hein. Donc ça, on va le boucher en fait. Clairement, avec les trucs là, c'est pas grave, tant pis. On reverra pour cette pièce. Ah, j'avais quelque chose. Là. Voilà. Donc ici, c'est les chaleurs. Donc les chaleurs terrestres. On réchauffe le cœur. Réchauffe le cœur. On a ça. Et maintenant il nous faut des coffres. Ah non, il y a encore ça là. Ce truc là. Je peux en mettre plein aussi, mais c'est pareil, c'est. C'est cher. Tu me dis oui. Donc dans les canyons qui sont là-bas. C'est le vaisseau qui est suspendu donc. Le vaisseau suspend, c'est ça. Végétation numéro 2. Et végétation numéro 2. Ah, nouvelle communication reçue. Limite, végétation, je pourrais le mettre là, lui. Ça fait partie du biodôme de l'expérience numéro 10760 avant Jésus-Christ. Voilà. Parce que ça fait partie. Hein. Ah, je l'ai peut-être pas mis le non. J'avais démonté un truc. Ah, je peux le mettre même en plein milieu, ça ferait sens. Ah, on peut les empiler. Attendez, je suis pas fou, on peut les empiler. Donc là, je pourrais en mettre un deuxième, quoi, limite. Je savais même pas. Je viens de tilter que je peux empiler des choses. What? J'ai le cerveau qui fait 8, là. Donc là, il nous faut des coffres. Pour faire des coffres, il nous faut... Là, j'ai besoin de beaucoup de coffres. Du fer. De fer. Et on va faire une pièce à coffre. Pièce à coffre à côté de tout ça. Là, là et ici. Donc, les coffres. J'ai envie de faire un... Non, c'est 3 fers. C'est pas 2, mais 3. C'est cher payé. Un truc. Tac. Et lui, touc, on démonte. Hein? Ah, j'allais dire. Démonte-le. Non, mais oh. M'obéis plus. Ce déménagement, quoi. Oh là 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 là. Et là, lui, eux, je vais les mettre comme ça. Comme ça, je peux en mettre plusieurs. Pas obligé d'en mettre qu'un.
et je peux me rendre là pour l'ouvrir par exemple. Voilà. Un peu comme dans Minecraft. D'habitude tu les mets comme ça les coffres, mais là tu dis non, bah bof. Là je vais les classer comme des tiroirs en fait, mais comme ça, tout le long. Et on va être bien là. Donc là je vais me vider, vider ce qu'il y a là-bas. Pardon, je me suis trompé de touche. Encore. Du coup lui je peux le vider. Voilà, je vais le foutre tout ça là-bas. On s'en fout du classement, hein. Pourvu qu'on retrouve nos trucs, hein. Je vais pas commencer à titiller, à me dire ouais ça c'est là, tu vois, toi tu dois aller là là là. Si j'ai pas fini sinon, hein. Je suis désolé mais là le classement des placards, c'est une autre mission, c'est pas la mienne. Embaucher un esclave peut-être, si on peut, moi je le ferai. Donc ici, tac, change, merci. Là pareil. On vide. Et on peut créer normalement. Oui, je peux créer. Ah ! Pourquoi le S est tout, le Z est tout près du A ? Tac. Tac. Pouf. Concentration maximum. Voilà. C'est pas aligné, on s'en fout. Pourvu que je puisse ranger, c'est ce que je me dis. Pourvu que je puisse mettre tout dedans. Que tout s'accorde et que tout va au maximum. Parce qu'après il y a encore un gros truc derrière qui arrive. Et je veux faire de l'emplacement. Et si je fais pas de place tout de suite, je me connais, je vais vite être perdu. Le tri je le ferai plus tard. Donc là il doit être plein lui je crois. Ouais il est plein. Ouf, voilà. Il paraît que dans le jeu il y a un bunker. Moi je sais que j'ai vu Ludovic deux nouvelles grottes. Je sais que là où il y a la fumée, il y a une entrée qui mène un peu plus haut derrière. Et c'est pas forcément une grotte, mais c'est une entrée de grotte. Et en fait, ça part derrière. Il y a un nouvel espace en fait d'ouvert. Là-bas, donc il y a le grand vaisseau là où on voit le gros fusée là-bas. Il y a de l'os, pas de l'osmium. Comment c'est les trucs bleus. Du soufre et autre chose. C'est bleu, un minerai bleu. Et je sais que quand j'y étais, on l'avait fait dans un dernier épisode, c'est ça, c'est grand, ça c'est grand. On s'ennuie pas en fait. Hein. Donc ça c'est le container, on va tout vider dedans. Allez vas-y. C'est pas grave, c'est mélangé, c'est pas grave. On fouillera quand on en aura besoin. Tant pis. Pourquoi je tourne à bas droite? C'est un réflexe. Et là enfin on pourra tout démonter les amis. Attendez. Il y a encore des choses dedans? Ah bah oui. Ouais c'est long, j'avoue. Vous avez le droit de souffler derrière votre écran. Et là, normalement... Ça, voilà. Du soufre et de l'osmium, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça pour la dernière mise à jour. Et peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a encore, comme tu le dis, un bunker. Et je l'ai pas vu. Pour ma part, je l'ai pas vu. Encore un coffre. On y est presque, hein. Et après je vous laisse tranquille avec les coffres. Vous verrez plus de coffres de votre vie. Hop. Il n'y a pas de shift click, hein. Je peux pas faire autrement. Après qu'on a fini ça, c'est bon. Je démonte tout, mais plus tard. Parce que là, franchement. Alors. S'il te plaît. Voilà. Ah. Bon. Tu veux. Est-ce que j'ai assez de fer pour... non. Donc ça, je te largue et je vais faire un autre coffre. Voilà notre rangement de coffres. C'est le bordel, j'avoue. Mais... Qui n'a pas une chambre bordélique? Bon, c'est chez moi. Ce chez moi-là est bordélique.
Donc j'ai pu faire un coffre. Ouais, mais c'est bon, non, mais le jeu. Tiens, le jeu. Voilà le jeu. Voilà les coordonnées 1158. Mais comment tu fais pour les coordonnées aussi? Ah, c'est en bas? Ah ouais, les coordonnées, voilà les coordonnées. 1158 1295 pour le bunker? What? Il a disparu le truc devant mes yeux. Voilà. Et là. Voilà! Dans l'absolu! Ça fait drôle, hein. Ça fait drôle. Ouais, j'avoue que là. Ça fait drôle. On a récupéré pas mal de fer. Tant mieux. Tant mieux, ça pourra être servi, ça, de toute façon. Ça va nous servir. Et on peut encore faire un coffre. Parce que regardez, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Non! Il n'y a jamais de place. Avec moi, il n'y a plus. C'est fini. Vous cherchez de la place avec The Death, vous en trouvez jamais. Je fais ma pub de la place. Voilà. Oh punaise. Tout ça, c'est plein. Ou pas. Il faut que je trie. Il y a du tri hors caméra à faire, hein, je pense bien. Ah là là, j'ai plus d'eau en plus. Il n'y a plus d'eau. Oxygène, j'avais dit, on peut faire encore une bouteille d'oxygène, tant mieux, de l'eau, de l'eau, de la bouffe. Il y a peut-être un grand voyage à faire. Donc je me prépare à d'éventuels et un nouveau coffre. Tant mieux. Oxygène. Hop, on le fait. Et on peut y go, non, normalement, non? Est-ce qu'on peut encore faire un oxygène? Allez, on va voir si on peut encore en faire un oxygène. Parce que je sais pas où ça se trouve. Hein. Du tout. On peut en faire deux autres bouteilles d'oxygène. Si le voyage y dure longtemps, au moins j'ai de l'avance. En bouteille d'oxygène, en eau. L'eau, c'est... Allez, deux bouteilles direct sans chercher à comprendre. Donc là j'ai 3, 4 bouteilles. Alors si avec ça je suis pas full bouteille. Et de la nourriture, on va peut-être en trouver là où tu as dit. Et je prends toutes les bouteilles d'eau. Et de la bouffe. On en a. Let's go. Alors 1000. D'accord. Par là c'est 1000. Attends, tu m'as dit 1158. En bas à gauche. On le voit les amis, ça défile. 1000. Bah c'est là, il y a le vaisseau. Et si je me déplace comme ça en crabe, par 8. C'est la hauteur? Ah ouais, c'est la hauteur. La hauteur. Donc on s'approche. 1058. On y est. Sur 16 et 1200. Non, c'est l'autre côté. 1200, c'est par là. Mille cinquante-huit sur 1200. Là, clairement, je peux pas passer. Clairement, je suis bloqué. Là, voilà. Je suis étonné que tu trouves tout ça, Ludovic. Il cheat le jeu, Ludo. Il nous a guac le jeu. Là-bas, je vois quelque chose que j'ai pas vu auparavant. J'ai vu une sorte de dôme. Et j'ai pas bugué, je l'ai vu. À moins que le désert nous fait des petits tours de magie. Il y a de l'eau. 1295, je suis loin de là. Hein. Et je suis sûr d'avoir vu une sorte de truc du loin. Hein.
voyez comme quoi le désert ça rend fou. Sur 8 de profondeur, j'y suis. Et je vois rien. C'est encore un peu plus loin. Oh oui. Oui. Je peux monter, mais je peux pas. What? Je peux pas respirer, au secours. On respire pas là-dedans. J'étouffe. Merci, Ludovic, on a trouvé un vaisseau. Et je prends tout, et je suis plein. C'est pas vrai, ça. C'est la blague. Graine de l'Irma, mais j'en ai tellement de l'Irma. Lire le message. Notre vaisseau s'est écrasé pour une raison inconnue sur cette planète. Beaucoup d'entre nous sont morts sur le coup. Certains d'entre nous sont morts à la surface. Je suis le seul survivant. J'ai essayé de survivre, mais cette terre est trop hostile. Ma santé faiblit. Je sors d'une dernière fois pour essayer de trouver de l'eau. Amener Milena Iklas. D'accord. Thank you. Thank you very much. Ça c'est quoi ça? C'est un morceau de vaisseau, je peux pas le récupérer. Je vais éteindre ma lupiote. Je peux pas démonter. Bon. Donc il y avait vraiment quelque chose ici. À l'emplacement indiqué. C'est pas vraiment ce que t'as indiqué. C'est à quelques pas de plus. Hein. On s'en fout mais on y est. Donc 1069, 8, 1288. Mais on l'a trouvé. On n'est pas à quelques trucs près. Donc notre voyage continue. C'est immense. Et par moments je ne vois rien. Ma maison est là-bas au bout. Et je vais me dépêcher. Parce que j'ai pris le strict minimum. Et vraiment j'ai fait le tour du jeu. Je peux pas faire plus je pense. À moins que quelqu'un d'autre trouve autre chose. Je sais même plus où est l'entrée d'ici, de ce vaisseau. C'était là l'entrée? Non. Je sais même plus où est l'entrée de ce vaisseau. Je sais qu'il est immense. Et que je doute que j'ai tout fait. Et des champignons, il y en a dans le vaisseau en face. Des champignons. C'est où l'entrée? Secours! J'ai plus de place aussi, l'ami. Oh, zut. Ah, on peut respirer. Oui. Je m'en rappelais plus. Oh. Oh. J'ai plus de place, mais je peux faire un coffre. Non plus. Dire à ma maman. Je vais manger un bout. Hop. Et boire un coup. Voilà, ça nous fait deux emplacements en plus. Ça, j'en ai... Oh là 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 là, pas forcément besoin. J'ai deux emplacements, mais je peux pas faire de coffre. Un coffre, c'est trois. Grand représentant de la grande faucheuse, eh oui. La mort est de retour, tu as vu ça? Merci, papy. D'être venu, d'être passé. Bah d'être là quoi. D'être là. Tout simplement. Je cherche compliqué quand je parle des moments. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas au travail? Ah. Champignon. Graine d'aubergine. Graines d'aubergine, mais l'aubergine ne donne pas beaucoup de ressources en santé. Je suis désolé de ce côté-là, je vais pas les prendre. J'en ai déjà à la maison. Et l'aubergine n'est pas la bonne source. Oh, ça par contre, oui. Graines de haricots. De quoi manger. Du fer. J'avais dit que j'en avais besoin.
pour faire un coffre dans ce truc là, juste en face de chez moi. Ça serait bien. Oh, la bouffe, j'en ai plein. Trop même. Oh, bah du fer en plus. J'en ai trop fait. Je vais sortir de là. Je vais faire un coffre, pardon. Je suis tombé. Bah alors ? C'est par là. Tout de suite, hop. Il y a un petit coffre. Ça va me libérer. Ou à l'envers ou à l'endroit, on s'en fout. Je reprendrai ça en temps voulu. Pour l'instant, on va stocker ça là. Beaucoup de choses qui sont inintéressantes pour moi pour le moment. Et dès que je trouve un truc intéressant, faut le dire. Faut spammer. Il faut spammer dans les messages. Alors, on a tourné ici. On est arrivé quelque part là, je crois. Non, je me suis perdu, encore une fois. Non, c'était pas là. C'était là, ici. Pardon. Excusez-moi, à la vôtre. Ici. J'étais là-bas. Ça, c'est fait. On va tout prendre. Allez. Et vous savez quoi? Pour être sûr que je l'ai fait, ce vaisseau. Comme tout à l'heure. Allez. Hop. Et je mettrai des... C'est pas grave. C'est pas grave. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous avez les yeux ébahis. Vous vous dites, est-ce qu'il va s'en sortir? En fait, je sais pas. Moi-même, j'en sais foutre rien. Si je vais y arriver. Je pourrais faire encore un coffre. Parce que là, ça va vite se remplir. Si je dois vider le vaisseau qui est derrière moi. Je sais, on a un tout petit compartiment, ça a rien... Ça n'a rien d'extraordinaire, après on s'en fout de comment c'est placé. Voilà. On a notre coffre. Le vaisseau est à vider. Donc on vide le vaisseau. Non, 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 non. Pourquoi je veux tourner tout de suite à droite? Ce n'est pas l'emplacement. Allez, toi, tu viens avec moi. C'est du fer, ça se prend. Ça se prend. Je prends tout. Je prends tout et rien en même temps. Là, je savais que j'avais oublié ça. Et si je suis au taf, mais chut, c'est pour ça que je peux mettre un peu de temps à répondre d'ailleurs. Comment vas-tu? Non, il n'y a pas de souci, papy, tu réponds quand tu veux. Moi, comment je vais? Je vais bien. Et un grand merci à toi de faire ça pendant ton temps de travail. Tu n'es pas obligé, hein, tu sais. Je t'ai jamais obligé. Si je te manque, faut me le dire. Hein. Grand fou. Oh là là là. Là, comme tu vois, je suis en train de fouiller un grand vaisseau. On a découvert un bunker que je remercie d'avance. Ludovic, merci à toi encore de ce petit clin d'œil. On m'aide, tu vois, papy, on m'aide. Et toi, tu es là aussi. Ça, c'est du soutien. Merci pour votre soutien. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ici? Ah, ça je prends. Graines de lignanin, je prends. Et je prends tout ça. Hop. Et je vais vider sur le coffre. Ça c'est cassé, cassé. Il n'y a plus rien ici. Ah, il y en a encore un là. J'ai les yeux. Et je peux plus rien prendre, je suis plein. Bah si je peux. Ah, le jeu était un petit peu buggé. Je sais pas, il a pris un temps de fou. Ah, je peux aller par là. Et hop. Bon, ça va faire plouf par terre. Il est où le fer? Filtre à eau. Aïe. Ah, le v'là le fer. Attendez, faut pas que je me perde. Toujours pas officiellement sorti le jeu. Ne... Bah sinon...
Ah, mais non, je vais jamais te fouetter, moi. Moi, je tue. Il n'y a pas de coup de fouet chez moi. Tu le sais très bien. Quand je dis la mort, c'est la mort. Non, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non! Papy! Tu m'as perturbé. Non! Vilain garçon. Je vais le dire. Bah, du coup, je peux plus rien placer. Ah non, la blague! La blague! Non! Ah non, c'est une blague! Je sauvegarde. Ça va être un clip, ça. Ne clippez pas ça, s'il vous plaît. Ah non. C'est pas parce que je le dis, faut le faire. Faut pas le faire, non. Faut pas clipper ça. Je vais arranger ce que j'ai. J'ai trop de trucs. J'en ai marre. Ce jeu. Il faut bientôt que je bois un coup. Je barre maintenant. Ah non. La blague, quoi. Non, c'est bon, on a pas. C'est bon. Ouf. J'ai sauvé les meubles. Ah oui, toujours avec moi, papy. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. La mort, elle est comme ça. C'est jamais sa faute. C'est pas possible. C'est la faute de quelqu'un. C'est normal. Alors, le fer, de la nourriture. Plus rien. Je vois rien de toute façon. Ah, un moteur. Des graines. Des graines. Il n'y a plus rien. Déjà, il n'y a plus personne. Oh, ce vaisseau, mais... C'est bon, on en a fini. On est au bout, hein. On est d'accord, on est au bout. C'est la fin. Des graines. Des graines. Un écran plus 16 neuvième. Dernière génération. Wi-Fi, Bluetooth intégré. Il y a même SFR, Bouygues. Il y a tous les réseaux sociaux et tout dedans, toi. La technologie. La technologie. Mon capitaine, c'est pas ma guerre. Et encore. Oh là là, est-ce que j'ai de la place? J'ai encore un peu de place. Ça, ça se prend. Le pire, c'est qu'en fait, il y a un emplacement par objet. Ça s'empile pas du tout. Micropuce, vitesse de minage. 2. Vitesse de minage 2. Et là on vient d'avoir un nouveau truc, le filtre, je sais pas trop quoi. Oh mais non, mais non, mais non. On n'en finit jamais dans ce vaisseau. Oh là 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 là. Je fais ce qui est un peu éparpillé par terre. Désolé, mais je fouille. Je fais le jeu, quoi. Oxygène, je le prendrai après. Je mange. Ça me fait un emplacement en plus. Et je récupère tout ça. Et je peux pas tout récupérer. Ce n'est pas grave. Allez. Aïe. Hop. Tac. Alors, la sortie. La sortie, s'il vous plaît. Là. Vite, mon oxygène. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi on bloque ici? On devrait pas bloquer. Ah, ouh. Ce truc va me rendre fou. Donc, au niveau graines, si j'ai pas de graines, c'est moi qui va vous engrainer. Bouffe, bouffe, j'en ai besoin pour moi. Il est plein ou il est vide? Tiens. Voilà. Bon, allez. Dernier tour. C'est le dernier tour! Mesdames et messieurs, c'est le dernier tour! Profitez, profitez, ticket gratuit! En ce moment, la foire en plus chez moi elle arrive. C'était par où? Par là? Ici, hop! Et c'était là! Non, non! Ta 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 la ta! Non! Non plus! Là! Je l'avais vu, hein, c'est parce que je fouille. Bon. Est-ce que c'est bon? D'habitude, c'est la faute à Pégase. C'est d'habitude, c'est la faute à quelqu'un. Et là, c'est la faute à Pégase.
Alors, est-ce que pour toi... Est-ce que pour toi, ça va? J'en ai récupéré des choses. Ludovic, est-ce que pour toi ça va? Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que pour toi définir un jeu terminé, est-ce que je l'ai fait? Je l'ai pas terminé. Mais leur console, c'est des consoles où ils ont des mitraillettes, tu sais, et puis ils ont l'écran plat. Et en fait, pour eux, c'est un jeu vidéo. C'est comme si tu jouais à Euro Truck version bataille. Et là, t'as le chef qui dit: non, les gars, vous êtes piégés, faites rien. Et voilà, j'ai tout fait. Le vaisseau est vide. Est-ce qu'on est d'accord? Je peux plus descendre. On n'est pas d'accord? Si, je peux descendre. Est-ce que c'est bon? Ah, je suis bloqué. Zut. Normalement, j'ai tout récupéré. Je fouille, mais je vois rien. Voilà, c'est ce que je vois, moi. Rien. Mais c'est de la faute à Papy, à Chuck Morris. C'est de sa faute. Alors, peut-être des trucs planqués, j'ai pas vu. Dommage, il y a des portes et puis elles s'ouvrent pas, quoi. C'est le serveur. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas plus de secret que ça, apparemment. Là, c'est fait. Est-ce qu'on peut le démonter, ça? Non. Démonte pas ça, démonte pas ça. Ça, on y a été, hein. Je vais pas retourner en bas, si? Je retourne en bas. Fouiller un petit coup. J'ai rien d'autre, hein. Ici, j'ai fouillé. Je sais même plus si j'ai fouillé là. Un petit peu d'oxygène. Je sais même plus si j'ai fouillé ou pas. Je perds les pieds. Il est tellement grand, ce vaisseau, je sais plus. Je repasse une dernière fois et après, je pense qu'on va pouvoir rentrer. Je pourrais pas tout prendre, hein. Ah non, on n'a pas tout fouillé. J'ai bien fait de tout fouiller. Encore une dernière fois. Ça, et ça, c'est quoi? Vitesse de minage 1. En fait, le minage, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Je sais que c'est des puces que je peux mettre sur moi. Mais j'ai déjà le minage niveau 3. Ah, j'ai pas plus de. Je peux pas plus que ça. Et voilà. Tu peux. Comme la boussole, je viens de le récupérer, hein. C'est tout nouveau. Je viens tout juste de récupérer la dernière épisode. Donc voilà. Bon. On est bon? Je vais pas plus loin, ça sert à rien. De toute façon, là, on a terminé complètement le vaisseau. Donc, je descends ici, à ma gauche. Oh là 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 là, il en finit plus. C'est même plus. À force, je sais plus du tout. Quoi? Plus rien ici. D'être quoi de perdre la boussole, comme on dit. Justement, j'en ai récupéré une. C'est bon. J'ai fait le tour. C'est fini. On remonte. Non, je redescends pas. Je monte. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, bah voilà. J'ai fait le tour. Pour moi, j'ai fait le tour. Et on revient à la porte. C'est ça. On a terminé. C'est un sacré équipage qu'il y avait quand même, ça paraît pas. Hein. S'il y a d'autres trucs autre part, je sais pas. Hein. Peut-être un autre vaisseau ou je sais pas. Oh, le réacteur quoi. Bon! Est-ce que pour vous ça va? Moi ça va. J'ai trop de trucs. Il y a des trucs qui vont pas servir. Genre ça, les graines. Elles ne donnent que 20%, 30%. Ça sert à rien. Les seules qui donnent la vraie version, c'est cette graine-là. Elle donne 60% de vie. Et celle-là, 40. Par contre, celle-là, c'est 20. Et j'ai envie de les abandonner ici.
elles me servent pas en fait. Pas du tout. C'est de la nourriture, mais elle sert à rien. Et tout ce qui me reste en nourriture, c'est ça. En priorité, je vais prendre les trucs importants. Ça, c'est important pour moi. Ça ne l'est pas. Ce qui est vraiment important. Et je reviendrai bien sûr, hein. Je vais revenir dans ce vaisseau. Ça, c'est important aussi, j'en ai besoin. Ça, pareil. On en trouve très peu. Et les fusées. Et ça. En fait, ce que je viens de prendre, c'est le plus important. Ça, non. Je l'ai, de vitesse de minage 3. Donc, si avec le minage 3, il n'a pas assez. Ça, on en trouve partout. Et j'ai mon truc là-bas qui le fait de lui-même. Donc, est-ce que pour toi, Ludovic, j'ai fait le tour ? Au niveau tissu, je suis bon. Là, il n'y en a plus de tissu. Hein. 200% quand même de graines de Pestera. Ça, tu le mets dans un biodôme. Je vais juste prendre ça, ouais. Les deux là. Parce que le E, non. Lui, il donne 200%. Eux, c'est basique. Ceux-là, par contre, oui. Ça, je le prends aussi, forcément, c'est une graine en plus. Hein. Et les fusées. Ça, je pose. Ça, je peux en trouver chez moi. Je vais reprendre une fusée. La bouffe, on peut en avoir un maximum. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse de plus ? J'ai pas trouvé ton champignon. J'ai pas trouvé le champignon en question. Tout ce que j'ai trouvé est là devant toi. J'ai fouillé le vaisseau, j'ai fait le tour deux fois. Et j'espère que j'ai bien fouillé. Parce que là... je peux rien faire d'autre. À part que là on pourrait rentrer. Ça c'est une balise. D'accord. Et on peut se faire tout de suite. C'est pas ici. Je l'ai pas là. C'est à la maison. Ils viennent parler d'un tuyau qu'on peut placer pour filtrer. Bah allez, on va se rentrer. Allez hop, on se rentre. C'est par là-bas. Moi, je vais pas aller plus loin parce que si c'est pour mourir, c'est pas la peine. Donc du coup, on a fait une sacrée route quand même. Hein. Sacrée route. J'ai plus de place de toute façon. Si, encore un emplacement. Hop, cobalt. Ça, c'est quoi ça là-bas que je vois ? Toujours du titanium. Titane. Je vois rien de particulier. Rien de particulier. Un coffre. Papapalimpin. Oh là 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 là. J'ai plus de place. Ah, le vla! Le vla, le sport à champignons! Le vla, ce que tu disais! Oh, are you? Oh, are you? Oh, are you, champignon? Et on va prendre le 300%. Allez, on est fou! Voilà, j'ai trouvé ton champignon! Oui! Ludovic! Oh! Je suis fou, je suis fou! Allez, on bouffe un haricot. Pour la peine, on bouffe un haricot et on en prend un autre. Qu'est-ce que je prends d'autre? Oh, je sais pas. L'haricot, c'est la vie. L'haricot, c'est 60% de vital. Je prends. Je pourrais poser une balise, non? On aurait de quoi faire, mais bon, non. Non. Oh, la caverne. Ah non, ça, on l'a déjà fait, la caverne. Je pensais que c'en était une nouvelle. Pardon. Excusez-moi. Même plus moyen de regarder un live, peinard au taf, obligé de bosser, je vous jure, tout part au à volo.
Le travail. Hein. Oh, mais c'est pas grave. Tu viens quand tu veux. Et tu pars quand tu veux. Tout comme un grand merci. Ça me fait un follower en plus qui regarde. C'est toujours ça de prix, hein. L'entraide, l'entraide. C'est surtout ça. Et ceux qui me regardent, merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites. En faisant ceci, vous m'aidez à continuer ma passion. J'ai l'impression que j'ai éloigné ma maison encore plus loin. Je rentre tout juste, j'ai même pas fait attention à mon oxygène. L'homme de la situation, c'est moi et Schmitt. Donc là, ça... Bah là, c'est plutôt je viens quand je peux. Oui, bah c'est pareil. C'est la même chose avec toi, je viens quand je peux. Je sais que j'ai raté plein d'épisodes que je dois encore regarder de ton YouTube. Le canyon. Il y a dans le vaisseau, il y a dans le canyon. Bah en fait, on peut le faire pousser à l'infini maintenant. Grâce à ces compartiments-là. C'est pour ça qu'il faudrait que j'en construise plus. Une bouteille d'eau et de l'aluminium et du fer. Donc tout ça, je vais le vider tout de suite. Tac. Tac, tac. Ouais, c'est le bordel, hein. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est le bazar total. Rien n'est correct. Nah, c'est dit. C'est fait. Bon, j'ai dit ça. J'ai dit du fer. Et peut-être de... c'est bon. Et une bouteille d'eau. Je vais pas trop les coller. On va faire un espace pour passer. Je vais encore en mettre deux. Pardon. Ah là là, je me trompe de touche à chaque fois. Après, je pourrais plus passer. J'ai tout bloqué. C'est moi ça. Ah là 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 là. J'ai fait le bordel. Hein. Regardez. J'ai foutu le bordel pour les champignons. Ne te casse pas. Pendant les orteils de tes pieds, ça fera l'affaire. Ah, t'es dégueulasse. Ah. Je sais que t'as l'habitude de ronquer tes orteils, toi, Chuck Boris. Mais dis pas que tout le monde le fait. Il y a aussi un autre endroit. Mais si la bienséance twitchienne m'empêche de le préciser. Ah. Ah. Non. T'as pas le droit. Interdit. C'est interdit. C'est la police qui te le dit. C'est interdit. De l'eau. De l'eau, monsieur. L'eau, c'est où? C'est là. De l'eau. Après, on va faire le filtre. Alors, j'ai même plus le temps. Je pense pas que j'ai du temps devant moi. Est-ce que j'ai encore du temps pour moi faire encore du live? J'avais dit aussi de faire Minecraft. Hein. Je pensais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hors caméra. Sûrement ce soir. Sûrement ce soir. Je pourrais faire un live. Non. Champignon. Aïe, on peut le poser. Oh, le v'là, regarde lui de haut. Attendez, attendez. Hop, on enlève un peu la lumière. Et le champipi qui vient de mes pieds apparemment, selon Chuck Morris. Il y a aussi un... Selon Chuck, j'ai des champignons comme ça à mes pieds. Pas très beau, Chuck, de dire ça. Zaiku. Zaikoko. Et ça, ces trucs-là, c'est où? Je vais les poser là. Et je peux les empiler. Ça, les fleurs, comme ça, je peux les empiler. Attendez. C'est où, ça? Le Végétube 2. Ah, il faut de la glace et il n'y en a plus de glace, ça se fait plus. J'ai oublié de vous préciser ça. La glace, ça se fait plus. Parce que la glace, en fait, elle a fondu. Et il n'y a plus aucune glace sur la planète. L'eau, maintenant, on le récupère grâce à mon système d'eau. Donc ça, c'est le dernier résistant du Végétube 2. Si vous regardez, si on regarde bien, Végétube, il y a besoin de glace. Et là, c'est mort, je peux pas le faire. C'est fini pour le Végétube 2. Je peux faire le 3 et je peux plus faire le 1, donc je peux faire que le 3. Dommage, hein. Et le 3, ça se met dehors. Ah, j'aurais voulu vraiment faire un truc dans le genre.
Dommage. Alors Végétube 3 du coup. De l'eau, de silicium, magnésium, aluminium. On a, je pense qu'on a ce qu'il faut. Silicium. J'ai plus de silicium. Encore un silicium là. J'entends le bruit des météorites, je crois. Magnésium. Il y a une tempête. Et ouais. Boum, ça fait. De l'eau et de l'aluminium. Aluminium. Et de l'eau. Là, j'en ai deux à faire. Ah, mais je calcule pas par deux. Toujours, je calcule jamais. Je devrais. J'ai pas de calculatrice dans la tête. Oh là 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 là. Oh ! Vous avez fini ? On peut plus travailler tranquillement, hein. En fait, je suis bête, je pensais que j'en avais encore dans d'autres coffres, mais ils ont disparu mes autres coffres. De l'eau. De l'eau. Et tout ceci. Oh là là. On va le poser à l'intérieur là. Non, je peux pas à l'intérieur, j'avais dit non, je peux pas. C'est ces trucs là, voilà. Que je veux poser. Je vais les poser juste là, sur chez moi. Désolé du bordel que ça fout. Hein. Ah, je peux pas. Ah, ils sont horribles. Wow. Je peux plus rien poser. C'est quoi ce bordel? Oh non. Abuse quoi. Je peux pas poser non plus là. Oh punaise. Oh là là. Et là-dedans, je peux pas non plus. Ah mais le jeu, comment il abuse, il a bombardé ici. Oh. Tant pis, vous savez quoi? S'il faut les bouger, je les bougerai. Mais mets-toi bien aussi. Hein? Je peux plus? Le silicium. Ce silicium. Non. Non, toi tu restes là. J'en ai besoin apparemment de pas mal de silicium. Je vais prendre aussi encore du... Allez, on n'est plus à ça près. Dégoûté. J'ai plus de bouteille d'eau, c'est ça? Eh ben non. Et maintenant, j'ai soif, moi, maintenant. Je vais mourir de soif. Non, je ne meurs pas de soif aujourd'hui. Voilà. Donc, comme vous l'avez pu le voir, la planète n'est pas encore stable. Hein. Et aluminium. Une dernière fois, et je peux poser mes plantes. Ah bah ça va, j'en ai encore un là. Hop. Et hop. Alors ici. Tac. Tac. Et normalement j'en ai encore un à l'intérieur. Si mes souvenirs sont bons. Ou pas. Ou pas. Ouais, j'en ai encore. Impeccable. Hop. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui, je pense. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Je voulais regarder ça va être l'amour. Et je sais même pas où ça se met. Permet de boire directement dans les lacs. C'est un filtre que je mets dans mon dos. Ah, je fais ça tout de suite. Devant vos yeux ébahis. Oh oui. Mais j'ai plus mon champignon. Bah si, j'en ai un. Bah, et l'autre? J'ai que ça. Pépite de bioplastique. Oh non, j'ai plus de bioplastique. Il m'en faut deux. Oh non. La blague. J'ai bu de bioplastique. Et je peux pas en faire. C'était quoi le bioplastique déjà, les amis?
plus où ça se trouve, ça. Sûr et certain que je devais faire un truc, c'était du bleu plastique. Ça en fait. Un collecteur d'eau. Le collecteur d'eau, il y en a deux dedans. Je pourrais faire le filtre dans mon dos, je pourrais boire dans les lacs. Après, je peux le refaire. C'est-à-dire que là, je vais aller le démonter. Je vais démonter la tronche. Et avant de se terminer là-dessus... Oh là 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 là. Ça nous a fait des trucs, là. Non ! Je me déteste. Je me déteste. C'est votre faute. Non, je plaisante. Ça, en fait, ça donne tellement d'eau. C'est lui que je voulais démonter. Et de tester. Je teste, toujours. Mais là, je suis triste. J'ai fait le bête. J'ai fait le bête. J'ai toujours la mauvaise manette sur moi. Et puis voilà, ça m'apprendra. Pardon. Excusez-moi, madame. Ah ! Ah ! Ah ! Non, dis-moi que je peux ! J'en avais du tissu. Dis-moi pas que j'ai pas de tissu. Ah ! Du tissu. Pa-pa-pa-la-pa ! Et ça se fout sur soi. Yes ! On peut boire dans l'eau. Dans les rivières, dans les ressources, sources d'eau. Allons voir si on peut léquer dans l'eau. Épinaire. Boire. Oh. Oh. Genre, je suis déjà pleine. Oh. Oh. Je suis bugué. Désolé, petite source de... Oh. Petite source de... Voilà, c'est là-dessus les amis qu'on va se laisser. Je vous rejoins tout à l'heure pour un deuxième live ce soir. Ça doit être dans les 18h, je pense que ça peut. 17h. Est-ce que ça vous va? À 17h. On ferait quoi? Qui veut quoi? Qui veut qu'on fasse quoi ce soir? Alors, plan micropuce. C'est la dernière chose que je vais faire pour cet épisode. Et on va se laisser là-dessus. Je pense. Plan micropuce, je sais même plus où ça se pose. Plan micropuce. Y a pas un truc avec des plans micropuce. Je suis perdu. Plan micropuce. C'est pas là non plus. Les écrans. Mes écrans. Oui, là. Y'avait pas un truc avec mes écrans. C'est ça. Paf. Nouveau reçu. Micropuce vitesse minage 1. J'aurais dû rester chez moi. Le dernier message que je n'ai pas lu aussi. J'ai réussi à décocter plus d'infos. J'ai lu que tu as plus de chances de réussir si tu construis ta base en altitude. Je ne sais pas pourquoi pour l'instant. Et si tu parviens à chauffer suffisamment la planète, certaines grottes devraient devenir accessibles lorsque la glace fond. Et une dernière chose. Tu devrais... Bip ! Fin du message. Eh ben, tu devrais te laisser là-dessus. Il y a plein de petites puces à trouver. Oui, pourquoi pas, Minecraft. Allez, bye bye, merci Chuck Morris, merci le blabla de Laurent, merci Père Lounette, merci Ludovic, merci à vous les amis d'être venus passer me voir, même si c'est un instant ou quelques minutes ou comme Chuck au travail, ça sera pour la prochaine. Chuck, merci, Ludo pour tes conseils, merci et bienvenue à toi Laurent, comme d'habitude, et Père Lounette. Des bisous et on se rejoint tout à l'heure pour Minecraft parce que j'ai fait quelques petits trucs et je voulais vous montrer et continuer mon aventure avec vous. Des bisous et à tout à l'heure. Alors du coup ici on fait fin.